au cœur d'une intrigue particulièrement importante dans la série Ici tout commence sur TF1, l'actrice Zoé Séverin se confie sur l'avenir de son personnage. Dans Ici tout commence, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, depuis l'arrivée d'Iri Montigny, Julie Drey, l'ex-compagne de Marc Leroy, Stéphane Blancafort, et la séparation de Jasmine Casmi, Zoé Séverin, a annoncé à Thibault Leroy, Félix Paco, tout l'Institut Auguste Armand est chamboulé par la vie de la famille Leroy. Et pour cause. La jeune chef est tombée sous le charme d'un autre Leroy, Jim, Loane Beckmont, le frère de son ex-compagnon. Ici tout commence, Jasmine et Jim en, si y est-il un couple qui va diviser. Interrogée par nos confrères d'Allociné, Zoé Séverin, l'interprète de Jasmine Casmi a accepté de réagir à cette rupture sentimentale mouvementée. Il va y avoir plusieurs étapes entre Jasmine et Thibault. Elle va se placer en retrait encore une fois. Elle a son histoire d'amour à vivre avec Jim et en même temps, elle va comprendre la peine que Thibault ressent, explique la comédienne. Elle va lui laisser la liberté de réagir comme il en a envie, que soit dans la colère, dans la tristesse, dans la vengeance. Si est-il un personnage qui est plutôt pacifique mais ce qu'il subit est quand même assez violent, reconnaît-elle. En plus de cette histoire particulièrement complexe, on va chercher quelques noises à Jasmine à cause de sa relation avec Jim. En bref, les prochaines semaines ne vont pas être faciles pour la jeune femme puisqu'à l'Institut Auguste Armand, tout le monde va vouloir se positionner, il y en a qui sont très amis avec Thibault. Et Jim n'est pas non plus le personnage le plus apprécié à l'Institut. Au final, si est-il un couple qui va diviser. Et précise que malgré ses pressions extérieures, ce nouveau couple est parti pour durer. Ici tout commence, Jasmine a encore plein d'aventures à vivre. Et ça tombe bien. Jasmine n'a pas terminé ses études. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'elle parte. Elle a encore des choses à apprendre, son fils est dans les parages, il y a sa nouvelle relation. Elle a encore plein d'aventures à vivre ici, du moins je l'espère. Explique-t-elle. Pourtant, de nombreux acteurs ont quitté la série phare de TF1 ces derniers mois. En effet, Claire Romain, Ambre Martin, Agustine Galliana, Lisandro Inesta, Rick Cleve, Ethan Cardone, et Cathy Pakanathan, Deva Sied, ont officiellement rendu leur tablier. Mais Zoé Séverin n'a pas l'intention de les suivre. Je m'y sens bien. Jasmine est un personnage qui me plaît beaucoup parce qu'il est en constante évolution. Il lui arrive beaucoup d'histoires et pour moi, si est-il toujours hyper cool de voir tant de choses. Je ne suis pas à plaindre, il n'y a pas de raison que je m'en aille, confie la jeune actrice de 24 ans. Just me.